femme dans une blanchisserie industrielle en région parisienne et qui m'a dit « Moi, j'adore le linge, j'adore laver, j'adore repasser. Le linge, c'est mon dada. J'adore ça. » Je cite. Et donc, c'était ma première interview, donc j'étais aux anges. Quoi. C'est l'interview d'un sourd muet dans les usines des pâtisseries Paul, qui font des macarons et des croissants. Dans une usine du groupe Atlantique qui fabrique des chaudières et des ballons, grosses chaudières, j'ai interviewé un soudeur qui m'a dit que la première fois qu'il avait soudé, il avait 15 ans avec son père et qu'il savait qu'il allait faire ça toute sa vie et qu'il était tombé amoureux du métier. Des coups de cœur par rapport à un process, à... Là, c'est de voir la fusion. Il m'a dit voir la fusion du métal sous les yeux, sous ses yeux, que voilà, ça le passionnait quoi. Dans une usine de plasturgie à Amiens, j'ai rencontré un opérateur qui me disait qu'il maîtrisait toutes les petites presses, les petites machines, et qu'il leur donnait des noms de femmes en disant Béa. C'était l'interview chez Pocheco, qui est l'entreprise française qui apparaît dans le film Demain, qui fabrique des enveloppes près de Lille, dans le nord de la France, et qui a pour salle de pause en fait un jardin, le jardin devant l'usine. L'usine qui est super bien intégrée dans son environnement en bois de mélèze, avec des ruches sur le toit qui récupèrent le pluie et des toits végétalisés. Et donc j'ai trouvé ça génial que on fasse des interviews dans ce jardin. C'est en fait les interviews que j'ai faites à Toulouse, chez Coquille, un sous-traitant de l'aéronautique, puisque je venais de faire Limoges-Toulouse à vélo en 3 jours, en passant par Brive et par Cahors, sous un temps détestable, c'était début juillet, et dans un paysage extrêmement vallonné. C'est l'interview d'un technicien de Chronoflex, qui est une entreprise qui n'est pas vraiment une usine, qui n'est pas une usine, qui est plus une entreprise industrielle de service, puisque c'est une flotte de techniciens qui intervient avec leur camionnette pour réparer des flexibles hydrauliques. C'est une entreprise qui se trouve à Nantes et c'est une entreprise dite libérée.